les explorateurs étaient nos ancêtres. Par la transmission des itinéraires, des cartes furent établies. Et voilà que nous comprîmes ce monde fini. La densité des groupes civilisationnels mena à la gestion des ressources essentielles. La liberté des chasseurs-cueilleurs est une page oubliée. La répartition des terres s'assit sur la condition originelle des ouvrières comme Simone Weil fut sentinelle. Afin de nous éloigner de ces tunnels prolétaires, en Clausurac, le pacte du déracinement, la possession poussa à l'exploitation. Révolution agricole nécessitant la main des hommes, des recruteurs devaient devenir esclavagistes. Une loi de sélection présentée comme naturelle fut celle des plus forts opprimant les plus faibles. Des idéologies qui font fureur s'établissent des critères pour avoir le droit de vivre. La solidarité, la compassion devaient se raréfier pour laisser l'altération des travaux menés à la sélection. Demandait-elle un héritage empoisonné par Mengele, docteur d'un dogme de l'homme, cousin du singe, de caste et de race. Malthus et son principe de population ne sont qu'un même processus de destruction. Les épines de ce cactus dans les talons, l'humain dépasse sa forme géométrique.